J'espère. Tenter Fi Racing. Camion en location. Non, c'est pas 3, c'est 5. Allez, vas-y!
impressionnant. Ah, c'est toi qui as dit stop, hein. C'est pas... Là, c'est quoi tes appréhensions, là? Là, pour l'instant, on peut encore, c'est assez environnant, je pense. Vas-y. No.
Alors, c'est comment? Décrochez. Décrochez les gars, retard. Et c'est très très fun, et puis dans les virages on a une bonne impression de vitesse, et c'est le moment le plus sympathique. Et quand t'as doublé, ça fait quoi? Quand j'ai doublé, oui. Ben on a laissé l'autre sur place. Voilà. Voilà. Merci madame. C'est LC Antoine, pilote TFI. Je cours en tant que pilote semi-pro pour la police nationale. Il y a une vingtaine d'années avec mon père, son meilleur copain était pilote, donc il m'a emmené et ben, j'ai pris le virus. Donc j'ai commencé à bosser sur les bateaux, puis après à les piloter. J'ai commencé à piloter il y a 15 ans. Ça va faire 15 ans pour 2010. Donc on a encore changé les bateaux. Gros espoir pour 2010. Premier espoir, finir la course. Et deuxième espoir, la gagner, au moins faire un podium. Je m'appelle Jean-Paul Cyr-Antoine. Je suis responsable technique au niveau du TFI depuis 2 ans. Au sein du team TFI, quelles sont vos motivations, Jean-Paul? Eh ben, nos motivations sont déjà TFI événement qui me permet de mettre un biplace, enfin d'avoir conçu un biplace et de pouvoir le mettre à l'eau, et que surtout les gens viennent voir ce bateau fonctionner et sortent ravis de la démonstration. En tant que directeur technique pour les 24 heures motonautiques de Rouen, édition 2010. Pour 2010, eh ben, nous espérons aligner déjà 3 bateaux sur la grille de départ. Et surtout prendre notre revanche sur l'année dernière avec notre classe 2 et faire un podium.